J'avais changé de résolution et je m'étais pas aperçu que sur le stream, c'était resté sur l'ancienne résolution. Il le fait, il l'a fait, hein. Amen. Ça, alors là, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux, là. Là, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux pour me rendre service. Bah, mais c'est pas possible à un moment donné! Mon compte de passeur il est dehors. Personne qui esquive. À part lui là. Bon là ça va être un peu compliqué de se barrer hein. Ouais, je marque, non, enfin, je marque. On verra bien. Ah putain. Bon messieurs, tout cela est compliqué. Tout cela est compliqué. Very, very, very compliqué. Ça cherche clairement le corps à corps.
Ce joueur se rapproche d'un coéquipier. Ça va pas le faire ça. Par contre ça va le faire. Je ne m'y attendais pas. C'est censé être la spécialité de ce joueur. Oh, je kiffe ce jeu. Je kiffe ce jeu. Je kiffe ce jeu. Je kiffe ce jeu. Il attaque ou quoi? Non, il a pas attaque, il a que dalle, il a. J'ai fait un double 1. Ah non, j'avais un 3 plus à faire. Ouais. Autant pour moi. Ah, il va me foutre mon danseur de garde dehors. Oh, mais va niquer tes morts, oh, PD! Hop, hop! Merveilleux! Surtout, changez rien! Mais allez, il flash, mais va niquer ta mère. Ramasse la balle. Allez, mais putain, mais putain. Ah, putain. Il me rend dingue ce jeu, il me rend dingue. Bien sûr, quand on a 25 relances, c'est pas compliqué. Ah oh là 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 là. On est à moins combien là? Moins 3, moins 4. On est à moins 4 les amis. On est à moins 4 pour l'instant. Salut Hordelu. Hordelu. Ouais, un peu, ouais. Un peu du sud, ouais. Allez, va te faire enculer, rate quelque chose à un moment dans la partie, à PD Cotier. Eh, tu vas où maintenant avec ton ballon, hein, tête de con? J'ai plus personne qui esquive, là j'ai plus rien à faire. Hein. Je suis dans une merde mes amis, mais dans une merde. Bon. Moi j'y crois, on n'est pas MPD, on est un elfe. Ah mais il est sérieux là, il est sérieux là. Il est sérieux le 1 là. Mais attrapez-le enfin. Plus facile à dire qu'à faire. Le porteur du ballon et l'adversaire à abattre. J'en fais quoi après de la balle? Hein? Hein les copains, j'en fais quoi de la balle après? Je vous le demande moi, j'en fais quoi de la balle?
Mais il est sérieux là, mais il est sérieux ce jeu de merde. Bah je veux bien être le meilleur du monde. Quand ça veut pas, bah ça veut pas. Hein. À un moment donné, ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je peux pas faire grand chose contre ça. Hein. Vas-y, mais vends-moi du rêve, toi. Non, mais il y va. Mais c'est pas possible d'être... Enfin, s'il y arrive, mais... Ah, mais sérieusement ! Ah ouais, purement magnifique. C'est un geste technique et c'est un touchdown. Tellement réfléchi et tellement ici d'une stratégie élaborée, si tu veux, que j'en reste pantois. J'ai même plus d'insultes qui me viennent à l'esprit. Arrêtez vos conneries, c'est pas du beau jeu, c'est une culerie de base. Soyez honnêtes un peu, les enfants, là. C'était pas une stratégie, là, il a tout joué sur sa chatte, il a tout joué. Et putain, c'est plus une chatte qu'il a, c'est le tunnel sous le Mont Blanc, quoi. C'est le tunnel de Fréjus. Il y a 40 poids lourds qui passent dedans. On va dire GG à ce gros fils de la pute, histoire d'être sympa quand même. Bon. Je suis qu'à moins 3. Dont le danseur de guerre. Ça va être jouable. Je concède Jing, je vais te concéder ta mère, je vais te concéder, ouais. Tu sais quoi, Jim? Il y a des pom-pom girls qui sont mieux payés que certains joueurs. Bon, c'est vrai, ça? Mais pourquoi? Ben, si les fans passent plus de temps à reluquer les cheerleaders que les joueurs de l'équipe, faut pas s'étonner que les sponsors leur signent des contrats en or. C'était quoi cet engagement là? C'était quoi cet engagement de mongolien qui m'a fait là? Bon, je sais que c'est risqué, hein, mais j'ai pas trop le choix. Hein. L'attaquant bénéficie de soutien. Bon geste. Comme ça, le ballon est moins menacé. Mettre le paquet d'entrée, lui, il me fait mettre le paquet, quoi. Ah, dans ta gueule.
bloque en personne. C'est très dangereux. Tu veux pas le tuer, non? Ouais, j'aurais dû faire ça, j'étais trop con là de mettre un paquet pour rien là. Là, va falloir essayer de pas être con là. On va l'occuper. Lui, on va le faire taper un dé. Oui, c'est vrai que c'est pas résistant ces merdes, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, j'en ai 3 en position, 4 en position de marquer. C'est parfait. Et là maintenant il va me faire une esquive à 6+. Je la sens venir celle-là. Du concéding, il est sérieux lui. J'ai une tête à concéder moi. Il va y arriver, hein, tu vas voir qu'il va y arriver. Non, ça va. Bon, pousse un peu où tu veux, je m'en branle. Ah, ta gueule. Il me reste une relance derrière ça. Allez, vas-y. Il la garde, cet enculé là au milieu ou pas? Ouais, il la garde. Ouais. Ah bah ouais, forcément. Forcément, j'ai lutte, il me pète l'esquive. Ça, c'est du beau, ça. Ah, c'est beau, ça. Elle est pas KO, bizarre. Tiens, j'aurais bien aimé qu'il marque, lui, là, mais ça va être compliqué. Non, Ray, laisse-moi tranquille avec tes mouvements supplémentaires là. Ah, les joueurs viennent au soutien de leurs coéquipiers. Il m'a pas fait une seule esquive avec un Saurus, je suis déçu quand même, hein. Je suis triste là. Allez, c'est parfait, ça m'arrange. C'est très bien. Reste là, tout ce que je te demande, voilà, parfait. Merci. Allez. Toi, tu as lutte. Hop, tu bloques ici à 2D. Putain, tu repousses, s'il te plaît.
Il est sérieux? Mais il est sérieux? Double 2. Double 2. C'est juste merveilleux, quoi. C'est juste merveilleux. Ce joueur va-t-il déposséder le porteur du ballon? C'est juste merveilleux. Ah bah tiens, t'as plus de relance? Bah tiens, dans ta gueule. Bah voilà, tiens. Tu fais le travail pour moi, c'est bien. Heureusement qu'il est con, lui. Hein. Oh là là, heureusement qu'il est con. Parce que là, il me blitzait avec sa merde, là. Pit, bim, je sortais dans le public. C'était merci, au revoir. Tue-le! Bah, tue-le! Voilà! 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 C'est ça qu'on veut voir. Tiens, tu vas le tuer, lui aussi. Hein? Non, mais tue-le, hein. Tu déconnes pas, hein. Tu le tues, hein. Tu le tues. Je m'en bats les couilles, je suis joueur ce soir. C'est tout sauf une bonne idée de filer sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstruire le corps. Blesse-le. Ah, mais merde maintenant, ce jeu de merde. Ouais, j'en ai un qui revient, ouais, petit à petit, on y arrive. J'espère que l'éponge magique de cet apothicaire est chargée à bloc. Quelques-uns des joueurs KO ont repris du poil de la bête. Avec des joueurs en moins, c'est plus dur de marquer, forcément. Ouais, on va voir s'il sait faire le one-turn touchdown. Le match est dans l'impasse. C'est ce coup de pied qui pourrait débloquer la situation, Bob. Tout juste, Jim. Il est temps qu'une des équipes se décide à prendre les rênes du match. Oh putain, je vais l'attendre 20 ans lui à chaque fois là. Allez. On va espérer de ne pas avoir de mort sur cet engagement. Lui mon kick, bah, il est pas là forcément, il est sorti. Hein. Allez, ça tombe sur ma gueule encore. Mais c'est fabuleux quoi. Mais c'est fabuleux quoi. C'est fabuleusement fabuleux. Mais bien sûr que je lutte. T'es pour un con ou quoi toi? Bon, on verra combien de KO je récupère après ça. Si je pouvais au moins récupérer mes deux KO, histoire de ne pas partir avec un trop gros handicap, ça serait pas mal. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça, le monsieur, là? Je comprends pas. Pour m'empêcher de jouer derrière? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse derrière? J'ai rien à faire, moi, à part lui tuer son croxy de merde. Ouais, il va essayer de s'approcher, mais bon, j'ai pas mon danseur de guerre, ça va être la loose, ça. Hein. Ça va être la loose. Hein. Ça va être la loose. Allez, foire-moi, ça va. Fais-moi ton putain de double 1 qui va bien, là. Oui, oui, tout à fait, on est d'accord. Mais bon, faut encore tomber sur l'événement, quoi. Ah, putain, il fait que des 6. Ah, ah, cette tête d'enculé là. Pourquoi il fait ça? Putain, mais...
Putain, j'en ai marre de l'attendre. Est-ce que j'en ai marre de l'attendre? Il joue combien lui? Il joue de 8. De là, il marque pas. De là, lui non plus, il marque pas. Je suis en train d'essayer de comprendre la logique de ce qu'il fait là, le monsieur là. Mais en fait, il marque pas tout, c'est son dernier tour. Il fait quoi là? Je croyais qu'il lui restait un tour derrière, mais. Il m'offre un blocage sur son proxy, bah il a du bol. Qu'est-ce que t'as enregistré sur ta Wizmo Box, à part de vieux matchs de Blood Bowl? Je suis accro à Game of Gnome, la série d'HBouille. On ne sait jamais quel nabo en bagouzé les auteurs vont tuer dans d'atroces souffrances. C'est d'un brutal! Ensuite, j'ai du Dr. Flu, un voyageur du temps affecté par la pourriture putain. Qui se promène... Ah, j'ai déjà fait mon blitz, non, ouais, fais le tour. C'est du bon... J'ai déjà fait mon blitz. J'ai oublié le détail. Putain, mais je les récupère au compte-goutte, je les récupère. L'une des deux équipes a déjà plusieurs joueurs. Putain. Ils auraient intérêt à remplacer ce joueur tant que c'est encore faisable. Va falloir le soigner, ce coup de pied. Au compte-goutte, je le récupère. Au compte-goutte. Ah, d'accord. T'es comme ça, toi. Il bouge pas quoi. Bon bah écoute, fais la même et on recommence. Hein. Cinq relances quoi. Bon, rendre de dingue les mecs avec 5 relances. Allez, un blitz. Mouvement sup. Bon, il y a du mouvement sup à faire, mais ça lui laisse une occasion. Ah ouais, d'accord, il va aller mettre son croxy sous la balle. L'union fait la force. Bah non, il mettra pas son croxy sous la balle. Ah, il relance. Bah tiens, voilà, dans ta gueule. C'est ça. On le force à reculer, puis paf. Il va pas faire ça, il va pas quand même pas faire ça le mec, c'est pas possible de faire ça. Il a esquive en force ou quoi? Mais non, il y a Juggernaut. Il va mettre un peu qui tu veux sous la balle, je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir, ramène deux skinks là-bas, ça fera toujours ça de moins à dégager là-bas. Voilà, mets un skink sous la balle. Putain, il réussit son mouvement sup, hein. Je vais le frénisifier et tacler ou je le... Putain, non, il vaut mieux que je le tacle. Hein. Tacle blocage, ouais, non, au danseur de guerre. La question ne se pose pas, ça sera au danseur de guerre. Bah écoute, au lieu de passer par là, on va passer par le milieu et puis c'est tout, hein. Il va m'obliger à temporiser un peu, c'est tout.
Putain, c'est insupportable. Va tâcher une connexion, espèce de Pakistanais de merde. Oh putain. Tu as déjà goûté la cantiane, Bob? Une boisson énergétique concoctée par les Skaven du clan Pestilence? Sans façon, je suis pas une flèche d'accord. Mais je suis pas stupide à ce point. Donc comment dire? Ça m'arrange. Un ballon par terre est un ballon dangereux. Tu veux bien le tuer, s'il te plaît? Non, hein. Sonner, c'est au moins ça. Un ballon par terre est un ballon dangereux. Ça, c'est fait. Il faut le récupérer et vite. Réfléchissons peu, réfléchissons bien, mes amis. Pas blocage, toi. Toi non plus. Si toi, je te pète la gueule, toi, tu peux foncer. Mais toi, t'as que préhensible. Si toi, je te pète la gueule, et si toi, je te pète la gueule, mais ça va être plus facile à dire qu'à faire. Par contre, si toi, là-bas, je te pète la gueule, j'ai déjà blitzé. Mais si toi, là-bas, je viens de péter ta gueule, Nana, j'ai déjà blitzé. Ok. Il faudrait que je fasse que des 1. Il va l'esquiver en sautant. Voilà, merci. Voilà, ça c'est fait. Toi t'es là, toi tu ramasses la balle, on est d'accord. Toi, mon coco, tu viens là. Toi, mon coco, tu le défonces. Non, mais il faut jouer collectif. Enfin, pas moi, mais vous aussi. Hop. Putain de caméra de merde. Ah, parfait. Il a le ballon bien en main. C'est toujours un peu navrant quand il rate quelque chose d'aussi simple. Non, vous bougez pas, vous. Parfait. Ah, il est comme ça, lui. Ah bah, c'est le miskick qu'il fallait pas faire, ça. T'as pas blocage. Moi, si. Il faut que je le dégage. Lui, faut que je le dégage. Attends. Hop. Là, j'ai une esquive à faire, deux esquives à faire. Ça va être tendu. Par contre, si toi tu viens là, toi tu tapes ici.
Putain. Si j'emmène un soutien ici, je suis à 2D, mais si je fais pas par où derrière, c'est compliqué quand même de passer. Alors vraiment que je le vire. Lui, s'il suit, je passe pas non plus. Si je suis pas, je passe pas non plus. Donc en fait, je suis obligé de faire ça et de faire la passe ici et de la bouger avec ça. Bon, mais j'ai pas le choix de toute façon. Hein. J'ai pas le choix. Putain, c'est fatigant ça. J'y crois. Superbe action. Il s'est faufilé comme une savonnette à travers le trou de la défense adverse. Il a vraiment une connexion en bois, lui. C'est insupportable d'attendre comme ça. Bon, ça me laisse l'occasion de réfléchir un peu plus longtemps, mais... Il fallait bien que je fasse un 1 à un moment donné. Hein. Le ballon se transmet avec une réjouissante efficacité. Mouvement supplémentaire. Pas de mouvement. Lui, mouvement supplémentaire. Donc, ça veut dire que si je viens me mettre. Je viens me mettre quelque part par là. Que si lui vient se mettre au contact ici. Hein? Que si lui. Je crois que d'abord, ça s'impose. Cela s'impose. Ici. Non, là je peux pas ramener de soutien. Par contre, toi, je peux tenter de te péter la gueule à 2D. Ça, oui. Ah, bah on tombera tous les deux. Voilà. Et toi, t'es sonné. Voilà, bah écoute, comment dire. Bien me blitzer à 2D contre toi. Et là, ça s'appelle une leçon de Blood Bowl. Ça s'appelle un cours magistral, gros enculé de château de merde. Tu sais quoi, celle-là, je te l'offre, elle est gratuite. Ah, quel dommage. Là, j'y aurais offert un blocage, là. J'aurais même pas lutté, tu vois. Ce joueur, pas cet attaquant.
Il transpire la faiblesse. Elle y va, un dé. Ah bah, t'as déjà relancé. J'espère que le coach a fait... Oh, châtaigne. Il m'a sonné la gueule, ce bâtard. Non, non, il n'y a pas de timer dans ces cas-là, malheureusement. T'as blocage ? Autour du ballon, pas bête comme tactique. Ouais ouais, je vais tempo là. Je vais tempo ce que je peux, hein, parce que je suis un peu en infériorité quand même. Hein. Mais bon, il pourra m'en bloquer qu'un ce tour-ci déjà. On verra comment lui il veut la jouer là. Non, mais mes elfes Sylvain, ça fait une centaine de matchs qui sont en vie et qu'on ne pas s'arrêter là. Là, c'est magnifique ça. Bah tu fais une équipe de chaque, hein, t'emmerdes pas, hein. Vas-y, fais-toi expulser là, mais vends-moi du rêve, fais-toi expulser quoi. Fais-moi un putain de double là. Ah, fallait bien que ça passe un jour ou l'autre, mais bon, c'est mon solitaire, alors je te pardonne. Il me reste deux relances. Il me reste deux relances, les amis. Ok. Bon. Puisqu'il me reste deux relances, on va s'en servir. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Thank you.
Il a utilisé son apothicaire. Rate le prochain match. Parfait. Ensuite, c'est ça qu'on veut voir. Lutte. C'est que si je fais la passe après, derrière, on y croit bien fort. Oh, allez! Bien, tout le monde est revenu. Ils effectuent l'engagement. Maintenant, il va falloir tenir en défense. Allez mon petit, c'est à toi. Dis-moi que je l'ai... Ouais, c'est bon, je me suis... Ah putain, si, je me suis planté. Merde, merde. Est-ce que ça peut m'énerver cette icône de kick? Je la confonds toujours avec une icône de blocage. On verra bien. Allez, on serre les fesses. Ouais, je râle tout le temps. C'est ça qui est bon. Ça me ferait bien chier de pas râler. Ouais, dans le cul. Dans le cul, Lulu. Ouais, ça dépend de la qualité du mec au-dessus, du mec contre qui tu joues hors de lui, parce que à 6 contre 11, j'ai déjà marqué, hein. Et pas qu'une fois. Tout est dans l'intimidation. C'était une de mes spécialités quand je jouais encore. Il n'y a pas à dire quand même, les elfes sylvains, c'est la classe. Quand tu gagnes un match contre des mecs qui ont 8-9 d'armure, bah t'es content quand même. Pas grave, c'est mon solitaire, allez, fais-toi plaisir. Je te l'offre celui-là. Il est pour moi, cadeau. Allez hop. Bah, c'est pas passé, tant mieux.
Ah! Ah ouais. Comme ça, toi. Est-ce que tu m'ouvres le chemin? Ouais. Tu le as. Oh, ça c'est la loose, ça. Une deuxième chance. Oh mais non quoi, mais non quoi, double 1 quoi. Putain, cette défaite. J'enchaîne les double 1, mais alors ce soir là, c'est de l'enchaînement de double 1. Enfin, c'est pas très grave. Ainsi va la vie. C'est ça. On force à reculer, puis paf. Quand des chances qu'il rate la balle ou que lui aussi fasse des jets de merde à un moment donné quoi. C'est un misclic. Enfin bref, qu'il fasse quelque chose qui va pas. Il faut être sacrément doué pour encaisser une attaque aussi violente. Allez, foire-moi ça, fais-moi ton putain de double 1. C'est le moment, Gary, c'est le moment. J'ai bien fait un double 1 là, c'est à ton tour. C'est à ton tour. Il s'est emparé de non. Très judicieux de sa part puisqu'il faut le ballon pour marquer des points. Transmission, un choix prudent. Mais il est pas sérieux, il va pas me faire le coup de deux fois du Saurus là. Oui, voilà si tu veux, ça me dérange pas que t'ailles là. Là, t'es bien à portée là. Toi, t'as blocage. Bim, bam, dans ta gueule. Ça me déprime. 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 Ça me déprime.
Ça me déprime. Voilà, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Allez, casse-toi. Fallait bien que ça s'arrête. Allez, un mort. Aïe 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 aïe, apothicaire. Pas de blessure. Hop. Non, j'ai rien défoncé du tout. J'ai jamais rien défoncé. Mais je rage, oui, c'est sûr. Mais je rageais déjà sur plateau en vis-à-vis. Hein. Les noms doux fusaient. Mais bon, voilà, comme j'explique à nos copains du Nord, bah, chez nous, c'est pas forcément méchant, quoi. Enfin, je vais le traiter d'enculé, mais je le déteste pas pour autant. C'est fait partie du jeu, j'ai envie de dire. C'est partie du jeu. Alors, comment il va s'en sortir? Ouais, voilà, ça trash talk, mais c'est vrai qu'on trash talk très vulgairement par rapport à d'autres régions, j'ai envie de dire. Hein, nous, c'est pas sale par hippopète, quoi, qu'on sort, tu vois. Quand on sort du trash talk, c'est va niquer tes morts, la conne de ta mère. Mais bon, le type en face, il va pas se sentir, il va pas se sentir super offusqué. Enfin, du moins, c'est comme ça dans mon milieu, j'ai envie de dire. Mais puis c'est comme ça dans tous les milieux que je fréquente sur Marseille. Mais après, allez, vas-y. Voilà, ça c'est bon, ça. Allez, refais-moi hein, la candette t'es mort. Hein. Ouais, ça passe, quoi. Putain. C'est passé quoi. C'est passé s'il te plaît. Bon. Bah, il y aura peut-être le 3-1, hein, on verra. On va voir comment il se place là et ce que dit la réussite. Ah, t'es à Toulon, bah, t'es à côté de la maison. Hein. La conne de tes morts, la conne de ta race. Ça, c'est déjà, c'est du classique ça. C'est même plus courant que le bonjour, tu vois. PD, alors putain, le mec qui se vexe, si tu dis PD, il part chez moi. Putain, elle a pas fini de se vexer, le mec, hein, je te le dis. Hein. Et de prendre des tartes, hein, parce que le mec qui se vexe parce que tu dis PD, comme ça, tu mets un taquet direct. Hein. Ah, mais il vient quand même au contact, hein. Il est bon, lui. Hein. Ah, lui, il en tient une couche. Hein. Bon. Ah, PD, c'est rien. C'est rien, MPD. Mais il est stupide ou il fait exprès, le monsieur, là. J'ai pas compris, quoi. Bon, bah, c'est bon, on marque. Je suis des quartiers corrects. Je suis dans le quatrième. Je suis en bas de Montolivet en fait. Yes, oui, en bas des Montolivet. Y a-t-il entre le bon et le mauvais passeur? Ah, je l'attendais, celle-là. Je l'attendais. Non, mais le mauvais passeur, bon, bah, c'est le gars qui a un ballon, il voit un truc qui bouge, il passe. Et le bon passeur? Le bon passeur, eh ben, c'est le gars, il a un ballon, il voit un truc qui bouge,
il passe, mais... Mais ? C'est pas la même chose. Il y a le bon passeur et il y a le mauvais passeur. Non, en bas de Montolivet, pas de Montpellier. Tête d'andouille. Montolivet. C'est pas mal. Non, ça va dépendre des 1. J'ai plus de relance, donc ça va dépendre des 1 que je vais éventuellement faire ou pas faire. Ça, c'était de l'arme de destruction massive. Bon, ça, c'est que du bonheur déjà. Ça, déjà, c'est que du bonheur. Non, non, il se terminera pas sur un nul, je te confirme. Putain, faut que je mette 2 paquets. Comment ça m'unifler avec ses paquets, lui, hein? J'aurais pas dû poursuivre, je suis vraiment le roi des cons, moi. Mais je suis vraiment le roi... Quand je m'y mets, je suis vraiment le roi des cons, hein. Ah là là. Mes amis, mais que voulez-vous que je vous dise, mes amis? Ah voilà. Le 1 qu'il fallait pas faire. Le 1 qu'il fallait pas faire, tout ça parce que j'ai suivi là, quand même bené là, j'ai pas réfléchi. Oh là 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 là. Mes amis. Ah bah tiens, voilà, dans ta gueule. Allez, au suivant. Allez. Tue-le. Alors, je suis quand même tenté. J'aurais peut-être tort, hein, mais... Mais peut-être pas. Peut-être pas quand même. Hein, peut-être que ça va me coûter le match. Mais j'ai envie. C'est le moment de vérité. Voilà. Ah, un prêté, point rendu. Foi de mort vivant, Bob. La mort, c'est parfois mieux. Mais souvent pire. Le ballon est dans la zone. C'est un touchdown. Dans le cul, Lulu. C'est peut-être bien celui de la victoire. Ça, c'est bon, ça. L'équipe mène au score, mais elle va maintenant botter pour l'adversaire. Ils vont essayer de récupérer le ballon.
Ça, c'est Elf Sylvain Power, les mecs. C'est un cadeau. Yes, sorry, tu sais, comme si je l'avais pas targeté le machin. J'aurais peut-être quelque chose de profond à dire quand les joueurs se décideront à jouer pour de bon. On est bon là ? Ouais, on est bon là. Ah tiens. Ah le pauvre, tiens je vais pleurer con. Le pauvre, je vais pleurer. Ouais. Putain, il était mal enquillé ce match. Je suis content d'avoir réussi à faire quelque chose. C'était pas gagné, hein. C'était pas gagné. J'ai quand même fait 2 blessés graves et 1 mort. Hein. Je suis bien content, moi. 3 sorties dans sa gueule. Pour une fois que c'est pas moi qui morfle. Allez, ça a pas marché le. Ça a pas marché la frappe précise. Bon, a priori il connaît pas le one turn en plus, donc c'est du bol. Ah, tu fais ouvrir Amanda? Eh bah ça arrive hein. Qu'est-ce qui, combien il t'a mis? Ne serait-ce pas un Lord Borak que je vois là-bas au premier rang? Et c'est bien fait, Jim. Hey, Borak, va te faire tête de pioche. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Allez, maintenant on croise les doigts. Hein. Ça s'appelle le talent, Alestro. Ce colosse va-t-il réussir? Ça s'appelle le talent. Je t'avoue que j'aurais préféré lui tuer son Croxy. Hein. Ah, tu sais, je joue Skaven aussi, hein, donc les coureurs d'agout, j'ai l'habitude de les voir mourir. Hein. L'armure détruite, tu la vois sur les jets de blessure, là, tu vois, ici, là. Enfin, dans ta feuille d'équipe, quoi. Sinon, après, tu le vois sur ton perso, là, ça s'affiche en rouge. Puis t'as l'icône et le descriptif qui vont avec. Ah, blessé. Parfait, pas d'effet à long terme. Impeccable. Gardien du temple. Jusque dans les derniers instants de ce match, ça se tape joyeusement dessus. Oh, j'adore. Ouais, j'adore les Skaven. C'est ma deuxième team préférée après les Elfes Sylvains. Je les ai joués pendant des années en plateau. J'ai quasiment joué que ça, avec un peu d'orc aussi. Mais surtout du Skaven. Il va me piétiner au dernier tour, bien sûr. Il y a encore un qui sait pas que ça donne pas d'XP, je crois. Il veut se venger, là. Il est frustré, là. Ah, blessé. Ah, rate le prochain match. Putain, me casse les couilles à me faire rater le prochain match, là.
Oh là là, mais quel con. Bon, 70 000. J'ai pas envie de relancer parce que tout à l'heure, quand j'ai relancé, ça m'a coûté cher. Non, refusé.